matin, mais faut pas me parler, quoi. Attends, faut pas te parler le soir parce que t'as pas le temps, faut pas te parler le matin, quand est-ce qu'on te parle? Je me parle pas pendant le matin déjà, là, c'est sûr, quoi. Il me réveille pas, putain. S'il lève pas ses fesses, ben... Toi, il y a des fois, ça me démange de prendre son sac et de le foutre sur le palier et, dire, et de lui dire que c'est pas un hôtel, ici. Voilà, regarde, il fait beau. Je crois qu'il était midi et demi, mais 11h30, je me lave jamais à 11h30, quoi. Eh ben, pour une fois, tu seras levé. Et puis comme ça, peut-être que tu vas peut-être même me donner un petit coup de main. Pendant que tu manges, je vais plier ton linge, puisque c'est moi qui dois le plier. Tu pourrais me le poser dans ma chambre? Non, mais puis quoi encore? Je suis désolée, mais tu le feras, hein, je suis quand même pas ta bonne. T'as pas marqué des points, quoi. J'ai pas marqué... Parce qu'en plus, il faut que je marque des points. Non, mais tu te fous pas de ma gueule, là. Non, mais là. Pas question de ça, mais... Ça, par contre, ça te fait pas... Ça te fout pas les boules de me laisser les linges sales. Mais non, regarde, tu vois, je vais même faire un effort aujourd'hui, quoi. Eh ben... Mais t'as pas honte, des fois? Oh, t'as pas honte? Où il est? Vendredi 17h, comme tous les week-ends, Thomas est accueilli à la sortie de la gare par une de ses meilleures amies, Caroline. Bon, mais tu m'attends, là. J'amène mes affaires, vite fait. À 21 ans, Thomas étudie à Agen durant la semaine et il rentre tous les week-ends chez sa mère. Et à chaque fois, c'est la même chose. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Ben ouais, ça va, quoi. Il passe en coup de vent pour déposer son sac de linge sale. Sa mère aura à peine le temps de lui demander s'il rentre pour dîner. Il y a Caro qui m'attend, là. Donc, là, j'aurais pu m'appeler plus tôt quand même, parce que je fais tout. Mais ouais, mais j'ai pas pensé, j'étais dans le train et tout. Et heureusement qu'il arrive de rien de grave, hein. De quoi? Et s'il arrive quoi que ce soit, quand je t'appelle, 24 heures, 48 heures après, tu me rappelles. Mais ouais, mais j'ai jamais mon téléphone sur moi, je suis toujours occupé, moi. Bon, à tout à l'heure, maman. Il arrive, il pose son baluchon de linge sale, c'est normal, je suis sa mère, je lave le linge. Mais je l'ai jamais vu passer le balai, ni même descendre la poubelle. Ça lui viendra même pas à l'idée. Peut-être parce que je suis sa mère, il n'a pas besoin ni de me remercier. Ce que je fais, c'est normal. Je ramène aussi du Portugal, là. 19h45, comme d'habitude, Thomas est en retard pour dîner. Une fois de plus, sa sœur et sa mère vont passer à table toutes seules. Alors on fait comme on l'a prévu, il est là, c'est bien, il n'est pas là, tant pis. Moi, j'aimerais qu'il soit là. C'est avec plus de 30 minutes de retard que Thomas rentre pour dîner, comme si de rien n'était. Un peu en retard, bonhomme. Tu aurais pu téléphoner quand même. Ouais, j'étais retenu, quoi, j'étais en train de... Ah, vous avez pu m'attendre un peu, quoi. Et à peine rentré, Thomas ne peut s'empêcher de tout critiquer et de tout inspecter. Là, je me sers. Avec quoi t'as mis ça? Avec quoi? Avec la sauce, là? Oui. T'as mis des oignons? J'ai mis des champignons, mais des petits morceaux d'oignons. Donc tu prends les champignons sans les oignons. Parce que ça donne un bon goût. J'ai que ça à faire, quoi. Et même sa sœur en prend pour son grade. C'est quoi, la doudoune, là? C'est la mienne, ça? On a voulu regarder, elle a fait un décès. C'est pas la tienne, c'est celle de l'or. Non, mais c'est celle de l'or, mais c'est la mienne, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, t'aurais pu me le dire, on prend mes affaires, quand même. Je l'ai pas appris, j'ai juste essayé. Hein. Ouais, bah, tu vois. T'arrives, c'est pour être désagréable. Cette doudoune, elle est dans le ce qui nous sert de cas. Thomas n'écoute personne, ce qui compte pour lui, c'est que tout ce qu'il aime soit à sa place. Parce qu'elle veut s'en acheter une, elle voulait voir ce que ça donnait comme effet. Et maman m'a dit. Mais qu'est-ce qu'elles font là, les bières, là, les... Mais parce qu'elles existent, t'es pas obligé de les boire. Ah non, mais de toute façon, non, mais... J'en ai mis une pour toi, quand même. Y'a du ketchup? Ah ouais, la... Voilà, merci. Alors, tu vois? Non, qu'est-ce que... Merci, maman. Merci, maman. Y'a du ketchup? Non, je fais les courses demain. Non, mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est normal. Non, y'en a pas. Y'a le mien, là, machin mexicain, là, mais c'est tout. Écoute, j'avais l'intention, j'avais amené ma liste de courses à mon travail. D'ailleurs, j'ai des courses à te... Enfin, j'ai tout, j'aimerais bien que tu me les achètes, parce que, en fait, j'ai pas eu le temps d'y aller, quoi, cette semaine. Enfin, deux, trois trucs, c'est pas grand-chose, quoi. Je l'ai écrit, en plus, donc t'imagines, j'aurais pas à te le dire, quoi. Je te passerai juste au papier, quoi. Ah oui, non, mais attends, je suis quand même pas ton boy. Demain mais j'ai pas le temps d'y aller, tu veux que j'y aille quand, quoi? Bah, demain. Mais non, mais demain matin, je dors. Et demain après-midi, mais je sais pas, enfin, je sais pas. Je sais pas, quoi. Faut voir. Tu veux pas faire... Pourquoi t'as honte de sortir avec moi? Mais non, pas du tout, mais bon, enfin, voilà, les courses, enfin, tu sais, t'as jamais été mon dada, quoi. Bah, tu crois que ça me plaît? Moi, je le fais parce qu'il faut le faire. Donc, pourquoi tu viendrais pas faire les courses avec nous? Une heure de ton temps. C'est pas beaucoup, une heure. Mais voilà, mais c'est une heure quand, quoi, aussi. Ben... Et bah, tu vois, regarde, Royal, tu me dis quand? C'est vrai? Bah oui. Thomas se rend compte qu'il est au pied du mur. S'il veut avoir ses courses de la semaine, il doit céder à sa mère. Moi, je suis pas pour un à 13h, on y va.
13h. 13h. Ce qui m'intéresse beaucoup avec Thomas, c'est ce nombrilisme. C'est toujours je. Je ne peux pas prévoir quand je vais manger. Je suis fatiguée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas faire ça. Voilà, donc ça m'agace prodigieusement. Brigitte est cantonnée aux tâches ménagères. Thomas, lui, ne se sent pas concerné. Il est comme à l'hôtel. C'est pas grave. Ça par contre, ça te fout pas les boules de me laisser les linges sales. Marque-toi. Et en plus, chez sa mère, Thomas se comporte en véritable pacha. Et après, Thomas, tes pieds, t'es pas dans un saloon. Donc c'est pour ça quoi. Est-ce que tu t'en occupes du métoscope là, enfin, tu t'en sers ou pas? Je sais pas si il est branché ou quoi. Donc... Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais parce que en fait... Tu vas pas l'emmener? Attends, je peux faire une phrase? J'ai des copains qui vont prêter en fait des cassettes quoi. Non, niette. Tu m'agaces. Pour Brigitte, c'en est trop. Elle préfère que son fils parte, comme prévu, voir ses amis. De toute façon, tu vois, fais ton bien, fais l'heure. Voilà, hein, c'était super. Merci pour le coup de main. Une fois qu'il a mangé. Mais elle n'est pas encore au bout de ses peines. Non, j'ai oublié un truc. Tu veux que personne ne boit les bières? Quoi? Personne ne va les boire, les bières. Je sais pas. Tout compte fait, tu les aimes pas. Ben, je vais les donner. Quoi? Ah non, mais tu te fous de ma gueule? Ah non, mais non, mais il est pas bien? Ah non? Non, mais tu te fous de moi? J'achète pas pour tes copains. Mais c'est bon, je vais les donner, je vais les... Non! Ah, mais non! Mais tu vas pas les boire? Eh ben non, mais moi j'ai des copains, Jean-Marc, il le boira, les boira. Quand il vient. Mais c'est deux bières, il y a un pack de six, là. Mais c'est pas une raison, attends. Non, mais attends. Est-ce que je vais donner les tiennes, moi? Ça te ferait plaisir? Bah, à l'origine, c'était pour moi, quoi. Enfin, je sais pas. Elles sont ici, elles seront pour mes amis. Bon, mais tant pis. Voilà, tant pis. C'est dommage. Voilà. Le problème, c'est qu'il est jamais à la maison. Il pose son sac, il s'en va, il vient manger, et encore, après il s'en va. Donc, pour l'attraper, c'est pas évident. Samedi, 11h30, impatiente de partager un premier moment avec son fils, Brigitte, debout depuis 6h du matin, tente de le réveiller. Thomas, c'est moi. Tu comptes te lever vers quelle heure? On doit faire les courses. Oh putain, t'es chié d'avoir laissé ça par terre. C'est tout propre, t'es gonflé, tu peux pas poser ça là? Remets ça aussi tes fringues. Il est quelle heure? Il est 11h30. Si tu veux manger avant qu'on parte. Ouais, ben j'arrive. Aujourd'hui, Thomas a prévu de voir une de ses amies. Il ne compte absolument pas passer l'après-midi avec sa mère. Il déteste faire les courses et il est hors de question qu'il mette les pieds au supermarché. Bonjour. T'es rentré tard? Bah, 5h. Et moi, tu m'embrasses pas? Ah oui, c'est vrai, merci. Bonjour. Je dois voir Angélique, quoi. Mais je peux pas la voir. Bon, mais t'es chier, tu m'as dit hier que tu venais. T'es pas de parole, puis tu dis que tu viens faire les courses avec nous. Hier, t'arrives pour mettre tes pieds sous la table. Après, tu te casses, tu donnes pas un coup de main. Là, on te réveille, on avait prévu qu'on allait faire les courses. Mais en plus, il est 11h30. Oui, il est 11h30, je te l'ai dit, on a te réveiller. Mais moi, j'ai pas fait de ouf. Ben 11h30, le temps que tu déjeunes, le temps que tu prennes ta douche. Thomas vient chez sa mère pour être blanchi, nourri et logé. Il ne supporte pas qu'on chamboule son programme. Ça le met de mauvaise humeur. Tu sais, si tu prends la maison pour un... Eh non, attends, je m'en fous. Si tu prends la maison pour un hôtel, tu peux aller dormir chez Caro. T'es même pas obligé de venir manger là. Il est 11h30, tu me réveilles. Parce que sinon, je te laisse la note, moi. Chambre. Plus petit déjeuner. Je me lève une demi-heure avant de partir, moi, ça me suffit, quoi. Oui, non, puis on te poire. Non, mais attends, là, mais je vais me recoucher, quoi. Non, mais. Non, tu vas pas te coucher parce que moi, après, j'entame mon ménage. Et puis, je peux rien faire parce que tu dors. Non, je suis désolée. Thomas est énervé, il compte bien finir sa nuit et retourne se coucher. Non. Si, mais dans une heure, j'arrive, quoi. Oh le con! Je suis désolée, tu viens peut-être pas en course, mais tu vas pas dormir alors. Comme ça, moi je vais faire mon ménage. Laisse-moi un peu dans le lit. Allez, debout. Non, mais s'il te plaît, quoi. Non, debout, tiens, en plus il fait bien frais ce matin, ça va te faire du bien. Non. Voilà, regarde, il fait beau. Je crois qu'il était midi et demi, 11h30, je me lave jamais à 11h30, quoi. Ouais. Mais Brigitte ne l'entend pas de cette oreille et ne va pas se laisser faire. Toi, dans les hôtels, faut que les chambres soient faites avant midi. Ouais, mais moi, c'est vraiment pas un hôtel. Bah non, à mes yeux, non. Mais en fonction de son comportement, un peu, à part qu'il paye pas.
Déçue, une fois de plus, Brigitte compte bien montrer à Thomas qui des deux commande à la maison. Pas en question. Je crois que ça, c'est le principal souci avec Thomas. À mon avis, je pense vraiment qu'il prend pas conscience qu'on peut souffrir de certaines choses. À partir du moment où il y a des trucs qui sont pas importants pour lui, ben, il n'y a pas de raison que ce soit important pour moi. Tu vois ? Très contrariée par l'attitude de Thomas, d'accord. Brigitte se sent incomprise. Elle se confie à sa fille, Sophie. Je suis con quand même, hein, aussi. Je suis naïve. Hein, je suis naïve, Sophie. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que je m'imaginais que il aurait été content. Bah, je vais te dire, il peut me la donner, sa liste de courses. Hein. Alors je vais te dire, il s'assoit dessus. Hein. Tu viens ou pas? Je sais pas, franchement, mais ça me saoule vraiment la course. Je sais pas, quoi, enfin, ça me dit vraiment, enfin, je sais pas, enfin, j'aimerais bien. Mais pourquoi quoi. T'as dit oui hier alors? Mais je sais pas, mais franchement, j'aimerais bien, mais je me rends compte que je peux pas faire les courses, quoi. Pourquoi? C'était un moment qu'on passait ensemble. Mais tu parles d'un moment qu'on passait ensemble, faire les courses, c'est pas un moment, c'est pas... T'as autre chose à proposer pour qu'on passe un moment ensemble? Mais ouais, franchement, on en pouvait faire autre chose, quoi. Je suis ouverte à toute proposition. La plupart du temps, je te vois pas. Les courses, ça m'est... Bah d'accord. J'aime pas ça, c'est très bien. Et en plus, enfin, voilà quoi. Enfin, voilà, en plus, tu me réveilles, il y a une dune. On n'en parle pas, ça va agacer quoi. C'est pas moi qui en parle, c'est toi. Non, on va pas en parler, ça me saoule déjà. Donc, tu viens pas. Hein? Mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Enfin, c'est bon, on n'en parle plus. Parce que, franchement, je suis en train de manger, j'aimerais bien que ce soit un peu calme quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais enfin, sans déconner. Enfin, non, mais calme, j'aimerais bien. Enfin, voilà, que je mange doucement quoi, quand même. C'est le matin, je me suis réveillé il y a une demi-heure, tu sais, enfin, on va y aller doucement dans la journée. T'sais. Parce que si ça commence comme ça, ça va se terminer, je sais pas, comment, donc... Il y a des moments, je vais te dire, il vaut mieux en rire, hein. Je suis déçue qu'on ne vienne pas, parce que j'aurais voulu passer du temps avec lui. Et en fait, je pensais qu'il viendrait en course pour qu'on passe du temps ensemble. Et ben, il n'est pas venu encore, donc je sais pas quand est-ce que je le verrai. Parce que demain, je pense que je vais avoir du travail. Et ça va pas être facile de le voir, donc je sais pas trop quand est-ce que je vais le voir. Entre Thomas et sa mère, les priorités ne sont pas les mêmes. Brigitte se sent totalement rejetée par son fils. Elle craque. Et si, hein? Non mais c'est bon, mais t'emballe pas comme ça. Je vais y faire un moment en course, toi. Ouais, mais... T'emballe pas. Ouais, mais je préférais la façon dont ça avait été décidé hier. Faut pas tout prendre comme ça quoi. C'est quoi là? Enfin, ce matin, tu sais, j'ai pas envie de faire les courses, mais j'y vais quoi. On faisait une joie, on passe jamais de moments ensemble, j'étais contente. Bon, je te lève. Tu parles d'un moment ensemble, faire des courses, faut pas le prendre comme ça. Mais c'est un moment au moins qu'on passe ensemble, Thomas, on se croise. Ouais, mais le prends pas comme on ça. On discute quoi. Pas. Encore, j'ai eu de la chance, t'as mangé avec nous hier. Tu as ta sensibilité, j'ai la mienne. Pour moi, ça compte. Peut-être pour toi, ça compte moins, mais moi, ça comptait pour moi. Ce moment qu'on allait passer ensemble, c'était important. Ouais, je me rends compte qu'on n'a pas la même approche de cette chose, puisque pour toi, c'est pas important, c'est juste des courses. Et ben, tu vois, pour moi, c'est juste des courses, je vais passer une heure avec mon fils. Voilà ce que c'est pour moi. Mais moi, je voyais ça comme des courses, quoi. Bah oui. J'ai fait pleurer ma mère et tout. En fait, c'est même pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé, donc... C'est jamais facile, mais bon, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'était pour une histoire de course. Et moi, je trouve que c'est vraiment... Quelqu'un s'emballe toujours pour des détails, quoi. Donc, c'est vrai que ça me fait la peine, mais d'un autre côté, je me dis qu'elle est...
Elle est sensible, elle est trop sensible pour trop de choses. Thomas sent qu'il doit accompagner sa mère faire les courses. Mais les bonnes résolutions ne vont pas durer. Thomas est pressé, pour lui les courses, c'est 10 minutes montre en main. Attends-moi Thomas. Mais vas-y, tu me rejoins le temps que je cherche. Attends, au pas de course, hein. Thomas, nous fais pas cavaler comme ça. Tu vois, quand je dis que j'en ai marre de subir, c'est au pas de course, là. Putain, tout comme fait, je l'ai bien con d'insister. Voilà. Nous, on a besoin de rien, merci. Allez, là, il faut du tonus un peu, là. Eh ben, je traîne pas. Je vais quand même... Tu là, tu nous tues, là. Liquide vaisselle. Tiens, je vais en prendre un pour mon bureau, je me ferai rembourser. Thomas n'a pas le temps, il veut rejoindre ses amis le plus vite possible. Il déteste les supermarchés en famille, il fait tout d'ailleurs pour que sa mère le comprenne. Il ne s'occupe que de ses propres courses. Moi, je suis sûr que tu voudras pas que je vienne deux fois. Oui, mais c'est... Non, mais c'est... Non, mais tu vas pas vouloir que je revienne. Ah, mais ça, c'est purement dégueulasse. Tu vas pas vouloir que je revienne. Tu le fais exprès pour plus que... C'est vraiment dégueulasse, excuse-moi. J'ai oublié le savon, c'est pas grave, hein. Ben voilà. Il me fait speeder comme une malade, je vais oublier la moitié. C'est bon, ben voilà, moi j'ai fini mes courses. Mais j'ai presque fini, tu vois. Allez, en voiture, c'était génial, c'était Speedy Gonzalez. Non seulement Thomas ne respecte pas ses moments familiaux, mais il n'a pas l'intention d'aider sa mère à monter les sacs de course au quatrième étage. À peine arrivé, il enfourche son vélo, il passera le reste de la journée chez un ami sans informer sa mère du programme de la soirée. Non, t'as négocié une télé ? Non, mais j'ai négocié un câble. Et comme toujours, c'est Brigitte qui vient aux nouvelles. Ben, je vais arriver quoi, maman. Enfin, là, je suis chez Sam's, là. Je finis la partie et dès que j'ai fini, j'arrive pour manger. Bah, ben, si, quoi, dans 10 minutes ou quoi. 10 minutes, un quart d'heure. Bon, enfin, ça te va? Ok, bah, ben, à tout à l'heure. Ouais, bah, ben, ouais, enfin, si tu veux, ouais, y'a pas de problème. Ok, ouais, c'est ça, à tout à l'heure. Bon, vas-y. Thomas ne veut rien prévoir et pour lui, un quart d'heure ne veut pas dire grand-chose. L'arrivée imprévue de deux amis chamboule encore une fois son emploi du temps. Salut les gars. Bien. Ça va, et vous êtes venus apporter l'apéro quoi. T'apportes l'apéro quoi. Mais ouais, mais... Chercher un décapsuleur quoi. Ouais. Ouais, mais... Bah ouais, c'est tout. Mais je vais peut-être appeler moi pour rester quoi. Je vais appeler ma mère, je vais demander quoi. Un moment, ouais, c'est moi. Je veux savoir, il y a des copains Nico qui sont arrivés là, à porter l'apéro et tout, et en fait, je voulais savoir si je pouvais rester un petit peu, quoi, en fait. Un tout petit peu, quoi, pas trop longtemps, quoi. Mais, je sais pas, dans 20 minutes, 25 minutes. Bon, bah, ok. Ouais, bah, ok, d'accord. Bah, ouais, je sais, mais oui, t'inquiète pas, on aura le temps, c'est bon, t'inquiète pas. Ok? Bah, ok, mais voilà, bah, à tout à l'heure. Ouais. Et ben c'est bon quoi. Sans scrupule, Thomas laisse une fois de plus sa mère et sa sœur dans l'attente de son retour. Je t'ai vu hier quoi. À la vôtre les gars. À toi Thomas. Comme chaque dimanche, c'est Sophie qui repasse le linge de son grand frère. Indifférent, le jeune homme reste égal à lui-même quand sa sœur lui parle de leur relation. Ça m'a agacé quoi. Enfin moi personnellement j'attends un peu plus. Moi de toi. Mais voilà, le problème, c'est que... Toi, c'est ça, en fait. C'est comme être parent, quoi. Être grand frère, il n'y a pas d'école. Le fait d'être grand frère, c'est un travail en plus. Alors... C'est pas un travail, c'est le fait d'être là pour moi. Voilà, moi, je considère ça comme un travail en plus, quoi. Je veux dire, j'aurais eu un autre frère, corvée, mais il aurait fallu que je sois là pour, non seulement pour toi, pour un petit, pour notre petit frère. Enfin, voilà, quoi. Vu que je suis l'aîné, eh ben... Bah ouais, mais... Voilà, je... C'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est vrai que bon, il y a des fois on parle pas trop. Bon, t'es là pour me faire un peu changer les idées parfois, quand je vais pas bien. T'es là. Mais pour parler de, je sais pas moi, de parler un peu de tout, quoi. Ça, j'aimerais bien, quoi, qu'on parle un peu de tout, que je sais pas. De communiquer avec toi, quoi. Je sais pas. D'avoir ouais, une mais si j'ai pas le temps avec maman, j'ai pas le temps avec toi, quoi. Enfin, en fait, voilà, quoi. Le dialogue entre Thomas et sa famille est décidément très difficile. Nous leur proposons, le lendemain, de visualiser quelques images du week-end pour analyser la situation. Bah, autant que toi, t'aurais pu me prévenir. Bah, ouais, c'est vrai. T'étais en retard, parce que moi, ce matin. Ah, bah, Sophie, c'est quoi, là C'est vrai que.
Enfin, le ton, il est sec, quoi. De toute façon, c'est ça, quoi. C'est un ton sec. Il n'y a pas d'autre. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Souvent, ce que je t'ai dit, tiens, c'est dommage que je ne peux pas t'enregistrer. Parce que j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte de la manière dont non, tu parles. Non, attends, oui, mais ça, on va faire ça. Non, mais ça, c'est facile, ça. Et des fois, je sais, je te parle pas comme ça, quand même. Enfin, je pense que des fois, je t'ai pas parlé comme ça, quoi. Là, je le vois, donc je peux le dire. Donc, mais voilà. Donc, là, je t'ai parlé, oui, c'est quoi. Enfin, je t'ai parlé de façon très sec, quoi. Mais je pensais pas, en plus, enfin, pour moi, c'est. Tu sais que c'est ton état, cette manière de parler, tu me parles comme ça pratiquement tout le temps. Non, mais c'est toi qui le dis, ça. Non, tu parles tout le temps comme ça, Thomas. Ouais, mais non, mais attends. Non, Thomas, attendez, arrête. Là, t'exagères. Tu t'en rends pas compte. Tu parles tout le temps comme ça. Non, mais je te promets. Bah voilà, c'est bon, je m'en suis rendu compte tout le temps. Voilà, comme ça, tu sais. Comme ça, je le sais, quoi. J'ai pas vraiment encore, quoi. Ouais. T'en as pas. Ah, mais bref, la façon dont ça avait été décidé hier. Je savais pas quoi c'était. Enfin, ouais, pour moi, c'était pas important. Donc, et pour toi, ça l'était, quoi. Alors, moi, j'étais étonné, quoi. Je comprenais pas. Je comprends pas pourquoi c'est important pour toi, en fait, c'est ça. J'ai pas compris. Ben, si, je vois maintenant, quoi, un peu. J'ai pas le même regard maintenant, quoi. Mais... Enfin, là, j'ai pas le même regard. Moi, en fait, au début, j'ai pensé que c'était un peu pour me faire chier ou je sais pas quoi, en fait. Mais Tu vois que tu me prêtes des sentiments que je n'avais pas. Mais voilà, en fait, je crois que c'était pour me faire chier, pour m'ennuyer. Mais non. En fait, non, quoi. C'était j'avais envie de passer un petit peu voilà, un petit moi, moment avec vu, toi. Je l'avais pas vu comme ça, quoi. Thomas est surpris par ce qu'il voit. Il réalise que les reproches de sa mère sont fondés. Il comprend que pour le bien-être de toute la famille, il doit faire des efforts. Je pense que déjà le plus dur à faire, ce serait quand même de changer ma façon de parler, quoi. Donc je pense que je vais m'attaquer à ça déjà, quoi. Après, ce sera déjà bien, quoi. Parce que c'est, je pense que c'est, enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, quoi. Donc c'est ce que je vais changer, enfin, ce que j'ai envie de changer d'abord, ma façon de parler. Tu sais, je suis consciente que moi aussi je dois en faire. J'ai jamais dit le contraire. Hein. Bah non, mais j'espère. Non, mais je l'ai dit. Ouais, mais voilà, non, mais voilà, faut qu'on soit bien d'accord. C'est vrai qu'il y a plein d'efforts que je ne fais plus, parce que je me demandais à quoi ça servait d'essayer, parce que j'avais pas l'impression que ça t'intéressait d'avoir une quelconque relation avec nous. Bah voilà, mais moi je faisais comme toi. Donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'on n'allait pas aller loin. Hein. Un an plus tard, nous retrouvons Brigitte et Thomas en pleine conversation entre mère et fils. Les choses ont bien changé, Thomas prend le temps d'aider sa mère à mettre la table et lui raconte même ses soirées entre amis. Bon voilà, bah hier soir j'étais à Bordeaux. Oui. Et alors? Donc, pour faire une petite soirée, enfin aider papa, faire des ménages dans son salon. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Bon, ça t'es sorti après? Ouais, j'ai fait une petite soirée avec des copains. T'as fait la fête? Sympa. Sympa, très sympa. Mais je reparle demain. Thomas s'est véritablement transformé. Le jeune homme a mûri et aujourd'hui, il aime passer du temps avec sa mère. C'est ce soir que je dois m'en aller. On peut en profiter pour un, je sais pas, pour bouger un peu. Je sais pas. Ouais, super. Ça me ferait vachement plaisir. Ça a été vraiment un changement radical. Et je crois que moi aussi, j'ai changé du fait que lui, il avait un abord différent vis-à-vis de moi. J'ai dit, on oublie tout ce qui s'est passé et puis on va réapprendre à se connaître, voilà. Brigitte fait elle aussi beaucoup d'efforts. Elle a mis de l'eau dans son vin et se plie en quatre pour faire plaisir à son fils. Tu veux que je te prenne quelques courses? Si j'ai le temps, vends demain. Ah bah non, ça dépend si tu t'en vas. L'ambiance à la maison s'est améliorée. Chacun s'entraide et Brigitte tente même de demander à Thomas quelques menus services. J'ai dans le coffre un baril de pétrole, là, et tu sais que c'est un peu lourd pour moi. Si tu pouvais aller me le monter avant qu'on sorte, ce serait vraiment gentil. Mais je peux le remonter au bon retour. Aujourd'hui, dans la famille, c'est le frère et la sœur qui se disputent l'exclusivité auprès de leur mère pour fêter son anniversaire. Je sais que vous m'avez offert le concert de Tracy Chapman. Donc il y a deux places. Il y a deux places. Et donc toi, tu veux avec moi? Ça y est, on se bat pour venir avec et moi. Mais pourquoi ce serait pas moi? Vous auriez dû prendre trois places. Mais je sais pas, moi. Mais non, mais c'est pas mal, quoi, Tracy Chapman. Je pensais pas que t'aimais. Ouais, je sais pas, quoi, c'est pas trop ta génération, Sophie. Moi, je suis contente de vous voir vous battre pour venir. Le seul truc, je me demande... Ah, prenez pas mal, hein, mais... Vous vous battez pour venir avec moi ou vous vous battez pour voir Tracy Chapman? Non, pour être avec toi. Même lorsqu'il s'agit d'aller se balader en ville, Thomas essaie d'évincer sa sœur pour être en tête-à-tête avec maman. Ah, tu es avec moi alors? Ouais, ça pose un problème si je viens? Non, je savais pas, je pensais que t'avais un devoir à faire, c'est tout. Mais j'ai le temps de le faire. Non, mais je savais pas, je croyais que tu m'avais dit. La soirée pour le faire. Mais c'est bon, tu peux venir, y'a pas de... Je pense que maman doit pas l'avoir bien non plus, quoi. Est-ce que tu viens? Bah, non, heureux quand même. Non, c'est bon. Ok. On y va tous les trois. Oh, c'est super. Je
Genre, ouais. je savais pas, Sophie, c'est pas. Parce que je t'ai même pas demandé. Bah, comment ça, tu savais pas, on part pas en famille ou je sais pas. Mais je savais pas, je te dis juste. Non, mais bon, voilà, je sais pas. Ok, ouais. Non, mais c'est bon. Mais non, c'est non, super. Non. Ouais, on est parti. Hein. Allez, la famille. Moi, j'ai l'impression qu'elle me connaît mieux maintenant. Je sais pas, je dis plus de choses facilement, que de choses que d'ailleurs je dis pas à tout le monde en plus. Même mes copains, des fois, je leur raconte même pas ça, donc. Non, je suis content. Même goût alors. Brigitte est aux anges, ses enfants sont aux petits soins. Elle profite de leur bonne volonté pour leur montrer les prochains cadeaux qu'il pourrait lui offrir. Ouais, celui-là, je l'aime bien. Oh, c'est horrible. Alors, évidemment, vous trouvez toujours que j'ai des goûts de vieux. Il est beau ce meuble. C'est joli, hein. Ça, j'aime bien ça. Voilà. Mais je vais juste vous donner des petites indications parce qu'au cas où il y a un cadeau à me faire, moi, vous savez, à mon anniversaire, c'est fait. Tu changes maintenant. Ouais, voilà. C'est pour Noël. Mais pour Noël, ben, vous saurez à peu près mes goûts, quoi. La famille réussit aujourd'hui à passer de bons moments tous ensemble. J'ai du bol quand même. La dernière fois, c'était avec Thomas tout seul. Là, c'est tous les trois. C'est rare qu'on soit quand même tous les trois comme ça, ensemble, à se promener. J'ai toujours été fière de mon fils, bien que j'ai déploré que nos relations se soient détériorées et que je suis maintenant d'autant plus fière de lui et de l'homme qu'il devient. Voilà.